Bon moment ce soir, beaucoup de chansons, beaucoup de musique, mais un suspense qui grandit, plus on arrive à la fin de l'émission. Vos deux camarades ont chanté, ça va être à vous dans une minute à peu près, hein? La petite Alouette, ça va? Ça va très Ça a bien. été un choc les révélations, hein, ma foi dite. Alouette ce soir! Ça a été un choc pour vous? Comme d'habitude, pour tout le monde. Vous êtes découragé ou vous êtes déterminé à vous battre? Pas du tout découragé, non. Déterminé plus que jamais. On ne craint plus que ça, tiens. Voici le parcours de Manuel ce soir, les images. Allez. J'ai envie de chanter avec des Irlandais, c'est moyen. T'as peur de quoi? De ma voix aujourd'hui. Quel genre de questions je me pose? Plein de questions, notamment. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me dis pas. La peur de pas être ma à la voix hauteur, aujourd'hui. De pas plaire aux autres. Tu nous as mis la peau? Non, je suis pas. Si. Non. Si. Non, ça m'amuse pas du tout. Oui. Cet exercice. Rien ne t'amuse. Si. Non. Si. Quoi? Chanter? C'est moi. Il suffit qu'il y ait un truc qui ah, se bloque. Je suis pas la seule, je commence à me sentir seule. Comme ça, on arrive. Comme ça. 5, 6, 7, 8. Ça, c'est excellent. Bah c'est ça la musique, je te dis rapide. Tiens. Ah, je pourrais pas. Je suis sûre que j'ai ma part tout d'un coup, j'y arrive pas. Je crois que tu as décidé de pas y arriver. C'est énorme. Bah, c'est un film sur la texte. Il n'y a pas beaucoup. Hein, c'est le problème. C'est très, elle est très classe, elle a beaucoup de classe, beaucoup de féminité. Qui pourra m'ouvrir les yeux? Le rêve de ma vie, c'était d'accomplir ce que je suis en train d'accomplir maintenant, tu vois. Vraiment la même quoi. Elle a une voix vraiment magnifique. Elle a cette espèce de chose au fond d'elle qui sort dans cette voix, dans le timbre, déjà très rond, très chaud, un espèce de vibrato absolument naturel. Alors, Aubin Myself, je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. C'est Rachmaninoff. Ah bon? Et j'ai écouté hier soir, c'est un adagio de Rachmaninoff qui a été repris. J'ai un peu ça. Ah ouais. Et t'écoutes le truc, c'est à tomber, quoi. Je savais pas. Et il y a cette mélodie-là, au violon, enfin, c'est grave. Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez, Darwin, c'est pas le moment de baisser les bras, ok? Surpassez-vous, charmez-nous. Dépassez-vous. Vous avez interprété une chanson pour que les téléspectateurs vous notent, vous jugent ce soir. Une chanson de Shakira qui s'intitule Whenever, en direct. Allez-y. Bonne chance. C'est bien. Elle est super gentille en plus. En brésilienne aussi. En tout cas, je sais qu'à chaque fois, Sky, elle vient, elle me parle du pont, elle est super gentille, quoi, vraiment. Kisses like a crown, look at them at Christmas morning, I'm all sweet.
danseuse. Il s'est pris Irénée. Vous êtes mort ou quoi? Quand même. Ah oui. Bah moi je me suis amusée. Je me suis amusée vraiment. Au début j'étais super stressée, ça se sentait. J'étais un peu tendue. Et puis après c'est parti quoi. Parce que je sentais que j'étais essoufflée, tout ça. Puis ça je sentais que ma voix, bon. Puis après je me suis dit tant pis. Oui, ça va de mieux en mieux. Quand on avance dans la chanson. Au début, t'es essoufflé, pareil. Même problème qu'Aurélie, c'était super. T'as pas fait grand chose. On sent, on se dit ah. Ah, mais ouais, ça, c'est. J'ai pétoche à danser. Ouais. J'ai très, très peur. Mais après, bon, je me suis dit, laisse un peu plus partir la voix, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident de danser en chantant comme ça. Tu vois, avec le micro, je faisais des gestes, j'arrivais pas à suivre avec. Des fois, ma voix partait, on n'entendait plus rien. C'est un super exercice. C'est un très bon exercice parce que en fait, moi, je t'ai vu bien redressé. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Dès que tu commences à bouger, quand tu es au milieu, avec debout, en train de faire tes trucs, c'est magnifique, quoi. Il n'y a rien de ridicule. C'est mieux que la répète. L'après-midi? Non, que quand on avait bossé avec toi. Ouais, bah évidemment, bien sûr. Il faut oser. Ouais. Il n'y a rien de qui t'appartient pas là-dedans. Ouais. Ça fait aussi partie de toi. Il faut que tu t'en serves de ça. C'est un atout qui est formidable. C'est que on le voit dans le sujet avant, même si je l'ai dit il y a longtemps, c'est que tu as un truc pour toi, c'est que tu es très féminine. Tu es très. T'as beaucoup de sensualité dans ton regard, t'as beaucoup de choses comme ça. Il faut que tu t'en serves. Si tu refuses de te servir de ça, ça va être. Ça risque d'être mal interprété. Là, on va se dire, machin, elle fait son truc, elle fait sa mijaurée. Sers-t'en. Et quand tu t'en sers, c'est sublime. Mais il faut que tu l'assumes. Sinon, il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va qu'on te voit forcément là-dedans. Mais ça, tu es aussi capable de le faire. Et l'intérêt de cette histoire, c'est d'élargir vos capacités et vos possibilités. Et là, c'est. Moi, c'est ce que je cherche à faire, que ça soit au niveau de la voix, d'avoir une voix maillable pour pouvoir chanter un maximum de trucs. Et depuis que je suis ici, j'ai chanté plein de styles de musique différents. Elle est. Et de pouvoir. Tu peux te permettre de chanter le botin. Donc. Mettre dans différents styles, et ça, c'est super intéressant. Bien sûr. Mais il faut aussi pouvoir t'adapter physiquement et mentalement à ça aussi. Et ça, que le corps suive la voix. Quoi. Ouais, ben il faut il faut te déguiser. Ouais. C'est comme quand tu fais du cinoche, quoi. Si tu commences à te prendre la tête avec ton rôle, ça n'est qu'un rôle. C'est tu te mets dans la peau d'un personnage. Ben là, tu te mets comme tu as envie d'être. Et tu te déguises et tu te transformes et tu joues avec ça. C'est pas forcément toi, c'est pas. Là, on va rien voir de ta vie privée, de tes problèmes, de ta façon de voir les choses. On voit une nana qui essaye de et ça passe très bien. Non, mais je me sentais super bien. En plus, c'était la première fois que, enfin, de toute ma vie que je chantais toute seule sur scène sans un artiste ou les autres élèves. C'était la première fois que j'étais toute seule sur scène. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Et ça faisait drôle. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'appréhension. Tu t'es sentie moins bien? Tu t'es sentie... Ah non, au début, j'avais... Mais après, vraiment, je me suis super bien sentie. Non, puis là, t'as bien joué avec les danseurs. Et moi, j'ai pas de problème. Hein. Je te l'ai dit à la coupure pub après. Là, il n'y a aucun souci. Maintenant,
il faut sachant ça, voilà, faut plus redescendre. Mm. Faut rester là-dedans, dans cette énergie-là en tout cas, dans cette détermination que tu avais. Et voilà, enfin moi ça va, tout va bien. Je sais pas, c'est trois plombes là-dessus. Mais...